Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de build sur le Phantasma Prime. Allez hop, générique! Donc on est sur un build 4 formats. Alors c'est un build que vous allez pouvoir alléger en termes de format selon évidemment ce que vous recherchez réellement. Donc on va commencer avec les modes pour le critique. Alors le critique c'est toujours important sur une arme parce que c'est ce qui va faire que vous allez augmenter vos dégâts. Donc alors au niveau du critique on a décélération critique qui vous donne plus 200% de chance de critique. Un peu moins de cadence mais vous allez voir que c'est franchement c'est pas dérangeant tout simplement. Donc on a aussi ravage accru qui lui va vous monter 110% de dégâts critiques. Donc avec ça on est à 33% de chances de critique, c'est pas énorme mais c'est par projectile. Et 4 de multiplicateurs de critique, donc c'est largement correct. Alors à côté de ça on a évidemment munition du chasseur qui lui va compenser un petit peu, enfin va complémenter le critique. C'est à dire que ça va donner du tranchant à chaque fois que vous allez faire, enfin à peu près à chaque fois que vous allez faire du critique. Et on va en faire quand même pas mal. Donc on va avoir pas mal de tranchants qui lui va juste détruire les mobs. En plus on a aussi besoin de statues évidemment. Donc avec ça on a habileté galvanisée qui vous donne 80% de chance de statue. Et sur élimination 40% de dégâts par type de statue. Donc ça va améliorer un petit peu tout ça. On a évidemment explosion glaciale qui lui va monter aussi un petit peu les chances de statue. Par contre on va mettre propagation contagieuse pour faire du viral, mais voilà, pour monter un petit peu les dégâts du viral, puisque vous pouvez voir que les dégâts ne sont pas non plus super élevés en termes d'éléments. À côté de ça on a à bout portant qui augmente les dégâts de base, et enfer galvanisé qui va vous monter votre tir multiple qui est très important aussi. En termes d'arcane on a l'impitoé principal pour augmenter les dégâts encore une fois, et on a mutation de fusil à pompe accrue. Alors depuis les nerfs des munitions, j'ai envie de dire que ça a une grosse importance. Donc voilà, donc il vous faut 5 places formatées à ce niveau là donc si jamais voilà, tout simplement si vous mettez les mêmes formats que moi, 4 formats, et vous pouvez totalement remplir voilà votre grille de mode. Voilà, bon, moi je vais vous laisser avec du gameplay, c'est du gameplay style pas survie, c'est de la survie sur Mo avec des reliques. Donc voilà, les ennemis étaient quand même assez coriaces, corrompus en plus au-dessus, donc voilà. Mais cette arme est jouable en style pass, c'est pas la meilleure arme pour jouer en style pass, mais voilà. Je vous laisse avec un petit peu de gameplay en fond qui vous donnera tout simplement un aperçu de ce qui vous attend en style pass avec le Phantasma Prime. Et moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.